Bonjour, je pense que le film Les 400 coups et l'histoire est triste. Mais au début du film, quand la caméra fait du travelling, il commence avec la ville de Paris. On peut voir le bâtiment, la tour Eiffel et quand on pense de Paris, on pense, oh, la romance, la vie à Paris. On commence à rêver. Mais l'histoire de ce film est une histoire triste. Au début du film, Antoine est à sa maison et sa mère rentre et il a dit bonjour, bonjour maman, mais sa mère dit bonsoir. Ce n'est pas comme une mère qui lui demande à son garçon, oh bonsoir, comment ça va, comme était ta jour. Non, la première question qu'elle demande à Antoine est où les farines? Et on peut voir que la mère n'aime pas son garçon. Et puis quand Antoine va à acheter la farine, il écoute une femme parler de la naissance, de la surgerie, césarienne. Et je pense que quand je veux ce scène, je pensais, oh, je pense que la thème est de deux enfants. Oui. Et puis on peut voir que Antoine n'est pas, comment on dit, il fait de mal choix. Il n'écoute pas son prof. Il court de sa maison. Et quand on vu son père, je pensais quand j'ai vu son père, oh, il est gentil avec Antoine, il est un bon père parce que il parlait avec Antoine et le don de un peu d'argent quand il le demande, mais il part avec Antoine, pas comme sa mère qui lui demande où la farine. Et oui, Antoine fait des choses mal, mais quand on a des parents qui ne comment on dit, qui ne l'importe pas de son enfant, les enfants va commencer à faire des choses comme ça. Oui, au fond du film, au fond du film, au milieu du film, il était enfermé, il volait le machinerie et il a perdu son liberté. Quand il était dans la voiture de le policier, on peut voir touche le bar et il vu la ville. Et oui, la
on peut voir que, oh, il peut voir que c'est le fin de sa liberté. Il commence de pleurer. Et je pense que c'est une chose difficile pour lui. C'est peut-être qu'il ne veut, il ne veut pas faire de ces choses, mais dans sa vie, il ne savait pas le il n'avait pas de bon structure avec ses parents. Et quand la mère a parlé avec l'homme dans le bureau, j'étais surpris qu'elle a dit que son épouse de la mère n'était pas le père d'Antoine. Et j'étais surprise parce que il était très gentil avec lui, il parlait, je pensais qu'il était un bon père, meilleur que la mère. Et oui, j'étais surpris d'apprendre qu'il a une père ou ne sait pas où. Et c'est autre chose que je pense que c'était très difficile pour Antoine. Et puis de ça, quand Antoine est quand une femme lui demande des questions, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu penses ça, et quand elle lui demande pourquoi tu n'aimes pas ta mère, il commençait de parler, oh, j'écoute ma mère, discuter avec ma grand-mère, elle veut l'avortement. Et c'est un fait que c'est très difficile de registrer. Similairement, quand une est un enfant. Et oui, dans ce film, je n'aime pas la mère. Et il a dit que c'est pour la raison de la grand-mère qu'il existe. Et c'est triste parce que il n'a pas de personne. Par exemple, René a essayé de visiter Antoine dans l'institution, mais il ne peut pas, la mère le visiter. Mais ne l'ai pas visité pour une bonne raison, pour faire une bonne mère. On peut voir que les autres mères entrent et comment on dit, faire les bisous à ces garçons, et on peut voir qu'elles sont mères. Mais avec la mère d'Antoine, elle a dit, oh, pourquoi tu l'écris ce lettre à ton père, il ne veut pas de relation avec toi, c'est le fin. Et oui, c'est pour la raison c'est difficile. Il était très seul. Je pense que c'est quand il échappe et quand il échappait à la plage. Je ne sais pas, mais je pense que peut-être la plage peut représenter
son nouvelle libération. Peut-être il va faire de bonnes choses. Je ne sais pas quand, comment, mais je pense que la mer représente le paix, peace, et c'est mon espoir pour un temps. Et oui, c'est un film triste. Je n'aime pas ce type de film, mais c'était intéressant de voir pour une fois. Et oui, c'est ma. C'est mes opinions. Merci.